This is a group of jobless people. C'est un so when we lost our jobs, gens qui ont perdu leur travail. We got together and said, look, now what? Ils se sont mis ensemble et bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? There are many possibilities. You can go home and stay under your blanket for the whole day. Donc, vous avez la possibilité, vous allez chez vous et vous restez sous la couette toute la journée. Yeah, which is quite common. You know, some people just lose all possible all power to live. You know. C'est quelque chose qui est commun parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur pouvoir de vivre, leur possibilité de vivre. And or you can do something to re-enter life, as we were saying earlier. Ou vous pouvez faire quelque chose pour re-rentrer dans la vie. So, among us, there are talented people, and we can use these talents to organize something. Donc entre nous, il y a des gens très talentueux, donc on va utiliser ces talents pour organiser quelque chose. So that's how it all started. C'est comme ça que ça a commencé. When life is difficult, people get together closer. Lorsque la vie devient difficile, les gens se rapprochent. So apart from the psychological aspect, which is very important. À part de ce côté psychologique qui est très important. It's very important because if you are in depression, you cannot think politically, you cannot fight for your rights, you cannot demand anything. Depression. Parce que lorsque tu es en dépression, tu ne penses pas politique, tu ne vas pas penser à demander pour tes droits, tu ne vas pas pouvoir réfléchir. Yes. So the system wants you to be in depression. Le système veut que tu sois en dépression. People who are left without a job, especially men, are really lost. Beaucoup de gens, spécialement les hommes, qui ont perdu leur travail, étaient réellement perdus. Oui. Because for us men, parce que pour nous, our job is our main activity, our personality. Oui. Our job is, I am my job. You know, for you women, it's better because you also can, at the same time, you are mothers. You have other roles. It is interesting parce que pour nous, les hommes, nous sommes notre travail. Je suis un homme, je suis mon travail. Pour vous les femmes, c'est peut-être un peu différent parce que vous êtes maman aussi, vous you êtes roles, à la maison, vous avez d'autres rôles. Also, it helps people come back to the notion, to the idea of we rather than I, what we're doing here. Aussi, les gens sont en train de revenir à l'idée du nous et ils sont en train de sortir de l'idée de je. And try to see what's mostly what's the worst, the first need, the most important need of, for the people. Donc on a regardé autour de nous, on s'est posé la question, quelle est la nécessité la plus grande des gens? And that is food, of course. Et la nourriture. We went out to the people who were selling, the producers, and gave them a leaflet saying, look, we're a group of jobless people, and we're trying to, request your solidarity in these difficult times, and at the end of the day, if you have any surplus, something that they could not sell, we will come back again and collect it. Donc ils sont allés visiter ces marchés, ils ont dit voilà, on est un groupe des chômeurs, on est en train de faire l'action de trouver de la nourriture, et si vous avez des choses, des surplus qui vous vendez pas, on vient à la fin de la journée et on les récupère. Mm-hmm. So that's how we started with the fresh products. Et c'est comme ça qu'ils trouvent les produits frais. Okay. And then we started the supermarket experience, which I believe Costa spoke to you about. Et après ils ont démarré l'expérience du supermarché avec Costa. We also cook out there in the square for the homeless. Ils font la cuisine pour les gens qui n'ont pas de maison. So we have a big pot. Donc ils sont un grand barbecue. Yeah, and we cook for about 150 people. 150. Ils font de la cuisine pour 150 personnes. Mostly homeless. La plupart sans maison. They're from the port. All around the port. Les gens qui viennent du port. Lots of homeless people. These are Greek people? Yes. Some foreigners too, but mostly Greek. La plupart grecs et quelques étrangers. Did you go there? There's not yet, square with a little theater. So in the theater we do lots of things like musical groups playing music. So apart from food, you also need to have recreation.
Dans cette place, il y a aussi un petit théâtre. Tout à l'heure, on va aller voir. Et à part de donner la nourriture, ils font aussi des groupes musicaux, la récréation. The people stand on their feet, and if you you and then you become a normal person again, then you can be politically active, you can be socially active, you can do things, you can go out to demonstrations. The first step towards solving a problem. Le premier pas pour résoudre le problème. Is accepting the problem. C'est accepter le problème. When I was left without a job. Quand il a perdu son travail. I pretended for a whole year to my friends and everybody that I still had a job. Pendant toute une année, il disait à ses copains qu'il avait toujours le travail. So that solidarity showed to the people of solidarity. You are not only you. You are in this situation. Me and Sotiris is in the same situation. Understand? Yes. How to do to make understand to the people that system is finished? Yes. There's life difficult. After the system. Comment faire pour faire comprendre aux gens que ça y est, le système s'est terminé? Exactly. This is the we were so deeply in this capitalist system because we were born in that and we live all our life. That's it. And we believe that this is it. There's nothing else. If capitalism fails, then we believe that there will be the end of life. Nous sommes nés dans ce capitalisme, c'est très profond en nous, et si le capitalisme est fini, alors notre vie est finie. But there is life after capitalism. Mais il y a une vie après le capitalisme. And here in Solidarity Paris, we are strongly interested and involved in alternative forms of economy. Dans ces moments de crise, nous sommes profondément concernés par des formes d'économie alternative. Yes, and there's, for example, we help in what we call the market without intermediaries. Par exemple, nous sommes très concernés dans ce qu'on appelle les marchés sans intermédiaires. The first Sunday of every month. Les premiers dimanches de chaque mois. We arrange for small producers from around Athens. On organise pour des petits producteurs autour de nous. To come here and venir ici. And sell their products in a producers market which we organize. Ils vendent leurs produits dans des marchés que eux ils organisent. Which is an alternative way, you see, rather than because these guys, the producers, don't get enough money if the intermediary comes there, the big supermarket, for example, and buys. Parce que ces petits producteurs ne gagnent pas très bien leur vie lorsqu'ils passent par des intermédiaires qui vendent le produit au grand marché après. The producer benefits because he sells his products at a better price. Le producteur se bénéficie parce qu'il vend ses at produits a higher price à un prix plus élevé than to the intermediaries. Que à l'intermédiaire. And the consumer benefits because he buys at a lower price. Because the intermediary's profit is shared between the two. Et le consommateur profite aussi parce qu'il va payer un prix inférieur puisque il n'a pas la partie de l'intermédiaire. Plus, you have a direct contact between the two. En plus, vous avez le contact direct producteur-consommateur. And you see, capitalism wants the producer and the consumer to be enemies. Qu'est-ce qui vous donne la force? What give you strength, force? Me and Sotiris together. Believe me. Togetherness. Believe me. The fact that we are together multiplies. Here in solidarity, we are about 150 people. Il y a 150 and the number is uneventful. Growing. It's growing every day. Le nombre est en train de grandir. This is our strength. Ça, c'est notre force. If we are together, we can make a lot of things. Si nous sommes ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. We even give medicine to hospitals. Ils donnent des médicaments aux hôpitaux. People bring us lots of medicine, and we supply the hospitals. Sometimes they don't, if they don't have something, we have a system on the internet. We say between hospitals and medical clinics. So whoever needs a medicine puts says, or I have surplus of this medicine, and it's distributed. It's a good system. Ils ont un très bon système qui marche par internet et qui montre que l'hôpital a besoin de quel médicament et les médicaments dans quelle clinique. It's a social service. Ça serait bien de le noter ça. C'est un service social. Yeah.
Mais ça, c'est parce qu'on nous a parlé de ça Some people talk about hier, that yesterday. Au dispensaire, et on nous a dit que ce n'était pas officiel, en fait. And they say that it is not official. C'était les hôpitaux qui demandaient de l'aide. It's hospital that ask for help. Yes, they do, because they are in a very poor, very bad situation. Because of austerity, our hospitals are really falling down in pieces. We here also have another activity, which is, I mean, we're doing lots of things. We are in contact with a German organization who supply us with medical equipment. Donc, pour finir l'idée précédente, oui, c'est le cas. Les hôpitaux, à cause de l'austérité, sont en train de tomber. Ils font aussi d'autres activités. Ils sont en contact avec une organisation allemande qui leur donne de l'équipement médical. Yeah, this German organization is sending us medical equipment. Donc, ils envoient de l'équipement médical for the medical clinics. For the clinic. But sometimes they send us huge things which we don't need in a medical clinic, and we give them to the local hospitals around Paris. Et parfois, ils envoient des équipements dont ils n'ont pas besoin dans les cliniques médicales, donc ils les donnent aux hôpitaux. Because they have serious problems, they don't have money to renew their equipment. Parce qu'ils ont des problèmes sérieux, ils n'ont pas de l'argent pour renouveler leur équipement. And those that they send us from Germany are much, much more modern than the ones they have there. Et ce qui vient de l'Allemagne, c'est plus moderne que ce qui existe déjà ici. As for the refugees, we very recently, just a few days ago, we started a new initiative. Et pour les, une initiative qui est nouvelle avec les réfugiés, c'est ça, c'est aide aux réfugiés. Together with other structures like this, we set up a welcome point in the port. Et ensemble avec d'autres organisations, ils ont établi des points de bienvenue, d'accueil. Where we shall have a pediatrician, we have two or three doctors, one for the children, one general doctor, one gynecologist, maybe. Où il y a des médecins dédiés aux enfants, pédiatres, médecins généralistes et psychologues. And we will distribute to them booklets with information about where they, with a map, because they come here and they don't know that they are in Athens, they think they are in Italy. Parce que les migrants arrivent et ils leur donnent la formation où ils sont, déjà leur dire qu'ils sont à Athènes, parce qu'ils croient qu'ils sont en Italie. Ils croient qu'ils arrivent en Italie. And there are some people who cheat them and take their money in order to take them to Athens or to Idomeni, to leave Greece, and they leave them at the half of the destination. So they take their money and leave them not even to Athens, not to Idomeni. Idomeni is the border. It's the border, at the border. They leave them at Thiva, which is at the half of their journey. So the purpose of their coming to Paris is to take the train or bus to go north. To leave Greece. On their way to Germany. All of them want to go, nobody wants to stay here, of course. Their dream is to go to Northern Europe. Donc le rêve de tous ces gens-là, c'est aller au nord de l'Europe, en Allemagne. Donc tous ces gens-là prennent les choses, prennent l'argent. Et il continue. So the purpose of this welcoming point is to show them that we are friends with them, because they're going through, as you know, some of them are drowned in the sea and so on. So we want to give them a warm welcome, to offer them medical assistance, to offer them information, food stuff, and all these things. They are for refugees. These are for the refugees, yeah. Donc le but de cet accueil, c'est déjà leur recevoir avec de la chaleur humaine, leur donner de l'information, de la nourriture, aide médicale. And what we're doing is that we're asking for volunteers to help us. To help at this welcoming station. Et en ce moment, ils sont en train de chercher des volontaires pour leur aider à recevoir les gens. And if some of them need to be taken to the hospitals, we take them to the hospital. We escort them there. Et si quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital, eux-mêmes, ils s'occupent pour l'amener à l'hôpital. We need volunteers to take care of them.
Mais c'est pour ça qu'ils ont besoin de volontaires pour amener les gens aux hôpitaux. Because there are about one ship with 2,000 or 3,000 people for 4 hours. Almost every day. Almost every day. Presque chaque jour, il y a un bateau qui arrive entre 200, 2,000 people. 2,000, every day. Yes, of course. Presque chaque jour arrive un bateau avec 2,000 people. 500, 2,500. Presque chaque jour, il y a un bateau qui arrive avec 2,500 personnes. Yeah. In Mytilene, the island, the population is 15,000 people. Dans l'île de Mytilene, la population c'est 15,200 personnes. In August, the refugees were 15,000 people too. Et les réfugiés, pendant les mois d'août, les réfugiés qui sont arrivés étaient aussi des 15,200. Yeah. You realize very what difficult. A huge problem. Mais vous vous rendez compte de comment? Oui. Où vous trouvez la force et l'énergie pour faire tout ce que vous faites? Where do you find force and energy to do all that you do? Listen, we believe that after 2010, it was very obvious that we couldn't stand alone. Après 2010, c'était évident que nous ne pouvions pas rester seuls. Till then, there was a bubble of consumption, buying and buying more. Jusqu'à ce moment, il y avait la bulle de la consommation. Mm-hmm. After that, we realized that we had to support each other in order to start on our feet. Après ça, on a compris qu'on devait s'aider les uns aux autres pour pouvoir être debout. Mm-hmm. So that solidarity, and it's very creative also. Ça, c'est la solidarité, et c'est très créative aussi. Mm-hmm. Mm. And now with refugees, we realize something else. Et maintenant, avec les réfugiés, ils se rendent compte de quelque chose. That even Greek people who are in such a crisis can help people who are in a more difficult situation. Même si les gens en Grèce sont dans une crise complexe, profonde, ils peuvent aider des gens qui sont dans des situations encore plus compliquées. We are not responsible for that situation. Ils ne sont pas responsables de cette situation. We have to face. Ils doivent faire face. There was a coup. Coup d'état. We believe in Europe. Nous croyons dans l'Europe. But not this Europe. But not such a Europe. We believe in Europe of the people. Mais non, ce type d'Europe, mais l'Europe des gens.